Je m'appelle Marinette, une fille comme les autres. Mais quand le destin me choisit pour lutter contre les forces du mal, je deviens Miraculeuse Lady Bird. Miraculeuse, porte de bonheur. Waouh, t'es en forme, Bugginette. On n'avait jamais battu un vilain si vite. Bien joué. Bugginette, il y a un problème? Bien joué, oui, oui. Et on devrait revérifier que tout va bien à Paris. On refait une patrouille? Tu veux pas me dire ce qui cloche, plutôt? Tu n'as même pas réagi quand je t'ai appelé Bugginette. Mais que veux-tu que je te dise? Ça va super bien. J'ai juste un peu de temps devant moi et pas forcément envie de parler. Je connais l'endroit idéal pour ne pas se parler. Parfait, je te suis. Oh, ma bien-aimée. Pourquoi ne peux-tu pas m'aimer? Tu m'as tendu un piège. C'est pour moi. Je croyais que tu ne voulais pas parler. On ne peut pas continuer comme ça. Je te cache trop de secrets, Ronaldo. Ne fais pas ces yeux de chien battu, je t'en prie. Mais... Je vais tout te dire. Je vis une double vie, Ronaldo. Tu te moques de moi? Surtout, ne lui en dis pas plus. Mais parle moins fort. Mais les comédies romantiques, c'est nul. Tu veux que je te dise pourquoi? C'est pas réaliste une seconde. Dans la vraie vie, la fille mettrait un temps fou à lui dire qu'elle l'aime sans bafouiller, blablabla. Et comment savoir s'il l'aime aussi? Impossible. Alors, elle décide qu'elle ne pourra jamais être avec lui. Et bam, elle tombe amoureuse d'un autre. Et tout est très simple. Presque trop facile, pas de bafouillage. Ils se tiennent la main, bisous, bisous, et la surprise! Elle a des secrets. Le garçon, il déteste les secrets. Normal. Alors, ils doivent rompre. Et tout le monde est malheureux à jamais. Fin. C'est vraiment n'importe quoi, les comédies romantiques. Désolée. Allez, on y va. Un conseil, évitez les comédies romantiques. Allez plutôt voir les héroïques super-héroïques. Des effets spéciaux, des super-pouvoirs, pas de sentiments, pas de questions. Personne ne se parle parce qu'ils n'ont rien à dire. Là, au moins, vous passerez un bon moment. Désolée. Écoute, Malady, je n'ai pas compris tout ce que tu disais et je ne connais rien de ta vie privée, évidemment. Mais je sais ce qu'est une peine de cœur et ça m'en a une tout l'air. Une peine de cœur, moi? Je vois pas de quoi tu parles. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. J'ai envie de